Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Extreme Bull Commander Pro, donc la nouvelle roue à suspension de Extreme Bull, une marque appartenant à Bigod, anciennement connue sous le nom de Gotway, reconnue pour ses roues puissantes. Elle a une configuration batterie de 134 volts ainsi que 3600 Wh d'autonomie. Pour un moteur de 3500 watts, elle a une vitesse de pointe de 90 km/h. Au niveau de la suspension, elle a un débattement de 90 mm ou 9 cm et possède de chaque côté une coque en magnésium protégeant les packs batteries et lui procurant une robustesse sans pareil. Si on la compare à la Master, on peut voir qu'elle fait la même taille, bien que construite différemment, elle prendra en position couchée le même encombrement. C'est une roue massive, mais qui prendra quand même moins de place qu'une trottinette électrique dans les transports en commun par exemple. Comparé à ma eMotion V12 qui est une roue 16 pouces et sans suspension je le rappelle, on peut voir qu'elle est un petit peu plus haute et légèrement plus large que cette dernière. La Commander Pro pourra quand même rentrer dans un casier à la salle de sport, mais je pense que c'est tout ce qui pourra y rentrer. Comparé aux 53 kg de l'eMotion V13, la Commander Pro n'a rien à lui envier. J'ai été agréablement surpris par le fait qu'on puisse ranger le trolley directement dans le corps de la roue, sans que rien ne dépasse, ce qui est par exemple appréciable si on veut poser un objet dessus, ou encore mieux, rouler assis sans avoir besoin de rajouter un siège à la roue. Et le fait que la marque ait pensé à rajouter de la mousse souple sur la tranche de chaque côté est un vrai game changer. Alors le trolley. Le mécanisme est particulièrement satisfaisant, il est de très bonne qualité. Par contre, la poignée en elle-même est vraiment trop souple et je pense qu'elle est trop étroite pour la main au vu du poids de la roue. On a ici les pédales cloutées Bigod façon Master, transparentes cette fois-ci et meilleures qu'ils soient à mon sens sur n'importe quelle roue. Ainsi que des power pads collés nativement. La roue est facilement levable par ses anses et la stabilisation est très réactive. Il n'y a pas de jeu d'avant en arrière comme sur la Master. Pour couper l'engagement moteur, il suffit d'appuyer deux fois sur le bouton de gauche. La roue sera stabilisée un minimum. Une simple poussée vers l'avant ou l'arrière la fera basculer. On connaît déjà ce système d'aide au balancement qui était présent sur l'eMotion V12 en un peu plus poussé et qui nous aidait à poser la roue sur sa béquille sans difficulté au vu de son poids. Attention à retenir quand même un minimum la machine, si vous ne voulez pas finir comme ça. La béquille fait son job, elle rend la roue stable en position allongée et elle servira de bumper en cas de chute ou de choc vers l'avant de la roue. Pour la charger, nous avons deux ports de charge en GX16 5 pins. Attention au cache qui a tendance à s'enlever, merci Bigod. Son chargeur est le même que celui de la Master, 134,4 volts en 3A. Il vous faudra un adaptateur spécial pour pouvoir la brancher sur le port de charge en 5 pins. Les suspensions sont réglables sans outils, en tournant la molette dans le sens des aiguilles d'une montre. On peut comme cela modifier la vitesse du rebond. Par contre, si on veut modifier la compression, il faudra utiliser une clé. La marque a d'ailleurs eu l'excellente idée d'ajouter des roulements sur les bras de suspension pour éviter tout frottement comme sur une certaine Charman S et qui fera que votre roue durera dans le temps. En parlant de la Charman S, sa concurrente directe, je trouve que les suspensions n'ont rien à lui envier. Celles de la Commander Pro sont bien plus confortables que celles de la Master première du nom, qui a dû bénéficier de multiples upgrades pour avoir un confort décent. Au niveau des sauts, c'est quand même quelque chose d'impressionnant car lors de l'arrivée, la roue ne fait aucun bruit, les suspensions sont ultra silencieuses. Le comportement des amortisseurs est très prévisible, il n'y aura aucune mauvaise surprise et ils s'adapteront à tous les terrains. Il se peut même que vous ayez envie de descendre très lentement les escaliers pour pouvoir sentir la puissance de ces amortisseurs. La roue agrippe d'ailleurs très bien les marches grâce à son pneu cross, le même que celui de la Master. Attention toutefois à ne pas trop le surgonfler pour ne pas avoir un effet rail. À basse vitesse, je le trouve beaucoup plus agile que sur la Master. Et lors de virages à haute vitesse, je n'ai jamais eu une seule sensation de dérapage. Mais attention car l'histoire peut être différente sur un sol mouillé. Le
Le très haut couple de la Commander Pro et son moteur C38 vous permettra de monter n'importe quelle pente et de la descendre. Qu'elle soit d'une inclinaison de 35 ou 45 degrés, voire plus, la Commander Pro n'en aura rien à faire, elle franchira l'obstacle quoi qu'il arrive. Quand on a une telle puissance sous les pieds, on a vraiment envie de s'en servir pour faire tout et n'importe quoi. Attention tout de même au dérapage. Et pour rappel, ce type de pneu cross pour faire de l'off-road n'est jamais bon sur sol lisse. Préférez un pneu street pour plus d'accroche. En ce qui concerne les power pads fournis avec la roue, ils ont répondu à mes attentes. Ils sont assez confortables sur l'accélération. Ils ne sont pas trop anguleux et ne font pas mal au tibia. Le matériau utilisé est de la mousse rigide, mais pas trop. Avec des power pads custom, l'accélération pourrait être encore plus fulgurante et les freinages encore plus agressifs. En ce qui concerne l'algorithme de la roue, on est sur du bigode typique. Le confort de glisse est inégalable et les suspensions sont là pour sublimer le tout. On remarquera que la roue lors d'un freinage peut s'incliner vers l'arrière pour nous aider. Ceci étant totalement normal, si vous avez paramétré votre roue à l'aide de l'application sur le style de conduite médium, l'effet se fera d'autant plus ressentir en mode souple. En mode dur, la roue restera quasiment à l'horizontale. J'ai été cependant déçu par la taille de l'écran et sa visibilité en plein jour. J'aurais aimé que la marque mette un revêtement un peu opaque et sombre pour pouvoir discerner les chiffres. J'ai trouvé une astuce pour corriger ce problème en prenant juste une coque de téléphone Samsung transparente qui s'appelle Clearview, la coller directement sur l'écran de la roue et à partir de là, plus aucun problème de visibilité. Testons maintenant la vitesse de pointe à vide de la Commander Pro. Je la soulève et je peux voir qu'elle monte à 113 km/h, la batterie étant chargée à 100%. Avec une batterie chargée à 94%, elle monte à 110 km/h. Je ne l'ai jamais vue descendre en dessous de 110 km/h, même avec une batterie à 10%. Si vous aimez la vitesse, cette roue est faite pour vous. Elle vous emmènera partout avec une stabilité impressionnante tout en alliant le confort et surtout, ce qui manquait à la Master, une grande autonomie. Vous pourrez parcourir de longues distances, même à très haute vitesse, sans avoir peur du moindre soubresaut. Et ça grâce à son très gros pack batterie qui limite aussi la chute de tension. Le calibrage des jauges de batterie sur les roues Bigod et Extreme Bull est loin d'être précis, je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment faire pour l'étalonner au mieux. Je me déplace généralement entre 70 et 80 km/h sur cette roue. Et jamais la température de la carte mère n'est montée à plus d'une trentaine de degrés Celsius. À l'arrière, nous avons un feu bleu clignotant qui va se mettre à rougir lorsque la roue sera en mouvement et rougir d'autant plus fort lors du freinage. Le phare est le même de la Commander classique. Il a un éclairage certain, mais à haute vitesse, il sera très sûrement insuffisant. Notez qu'il ne s'allume pas plus fort avec l'augmentation de vitesse comme certaines roues. Nous avons aussi la possibilité de faire clignoter le phare à l'aide du même bouton pour plus de visibilité la nuit et la journée. Le halo lumineux est plutôt direct et concentré. Il n'éblouit pas les piétons car il est pointé vers le bas. Et ça, c'est plutôt appréciable. Les autres usagers et piétons vous en remercieront. Testons maintenant la qualité du haut-parleur Bluetooth de cette roue. Situé de chaque côté de la roue, vous aurez donc un son stéréo. La qualité est plutôt bonne et les basses sont présentes. Aucun souci là-dessus, la marque a fait du très bon travail. La marque Extreme Bull nous a surpris avec ce modèle tant attendu qui fait clairement concurrence à la Giroroue Veteran Sherman S de la marque Lipperkim, sortie tout juste cette année. Cette Giroroue de 20 pouces n'est peut-être pas pour tous les gabarits, mais quand il s'agit de sécurité et d'autonomie alliée à la vitesse, il n'y a pour moi rien d'autre de mieux sur le marché actuellement. La Commander Pro n'a peut-être pas de normes IP comme les roues InMotion, mais elle résistera à la plupart des averses, mais elle ne résistera sûrement pas à une immersion totale dans l'eau.
Le niveau des cale-pieds est forcément élevé par rapport au sol, ceci étant dû à la suspension. Mais son poids et son inertie la rend très stable même en cas de vent violent. Cette roue est polyvalente, très puissante, elle a beaucoup de couple, beaucoup de vitesse et elle est ultra confortable. La possibilité de charger la roue par les deux ports de charge est un gros plus pour pouvoir gagner du temps, par exemple lors des randonnées. Merci de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour plus de reviews, n'hésite surtout pas à t'abonner et à mettre un pouce. Tu peux également me suivre sur les réseaux. À bientôt. C'est pour l'amorcer, vous faites ça? Comment? C'est pour l'amorcer? Non, je suis en train de filmer une review pour un nouveau produit qui va sortir. Ah ouais? Mais ça m'intrigue comment vous démarrez le machin. Ah, c'est juste comme une trottinette en fait. C'est un pied et puis l'autre. C'est pas trop casse-gueule? Ah non, c'est super stable. C'est marrant.